Salut tout le monde, c'est Salix, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Planet Base. Oh yeah! Voilà, c'était l'intro la plus soutenue que j'ai fait depuis le début de mes vidéos. Hashtag pas du tout. Ça, parce que une fois j'ai fait pire. Mais bon, voilà quoi. Ça... Tiens d'ailleurs, ils sont plus faire. Non, pas ici, et là non plus. Ok, c'est déjà rien mieux que rien. Donc quoi, on avait des problèmes d'énergie dans le premier épisode, ce qui est pas cool. Donc du coup, pour faire plus d'accumulateurs vite, du style très très vite. Hop, une météorite a été détruite. Ok si tu veux, mais moi ce que je veux c'est de l'énergie à revendre. Ah mince, j'ai déjà cet objectif. Bon. Bien du coup. On peut. Est-ce que l'on peut passer par là? Si on peut passer par là, c'est cheaté. Hein. Ce serait vraiment pas mal qu'on puisse s'étendre par là. Car pour le coup, si on peut s'étendre par là, je sais pas que ça serait énorme. Déjà, est-ce que. Mettre des trucs du style ça ici. Si on arrive à lisser. Attends, ça c'est quoi déjà? Oui, ça c'est un mini panneau solaire, ok. Voilà, ça par contre il passe pas. Hein. Faut pas abuser quand même. Structure terminée. Donc du coup oui, on en était à construire masse panneaux solaires par là-bas, ce qui est en train d'être fait. Alors du coup, niveau personne, on va peut-être commencer à dire non, parce que sinon on va avoir des problèmes très clairement. Notamment au niveau nourriture, on en est à quoi la nourriture. Ouais, c'est pas trop. Ça, mais je crois que c'est plus à cause de... Ça dépend, on va voir. Est-ce que lui est plein? Non, il est pas plein. Ça veut dire que la nourriture, on peut en stocker masse. Mais que nous le faisons pas parce que le Japon... Du coup, on en a trois, tiens, de ça. Est-ce qu'on construit des robots ou ça se passe comment? Non, on construit pas de robots. On a toujours que 5 robots. Du coup, on va... On va essayer à la fin de cet épisode de se faire un gros centre de robotisation par là. Ça sera cool. Très cool. Voilà. Alors du coup, on a quand même 128 personnes avec cette place. Donc du coup, vous imaginez qu'est-ce qu'on pourra se faire si on utilise la place de toute la map par là. Ça pourrait être un petit peu énorme, oui. Donc voilà, objectif 1000 personnes, si on y arrive je me dis GG, si on n'y arrive pas je serais pas étonné. Donc du coup voilà, du coup là on va se faire masse robotisation pour commencer. Et je pense que dans le futur on se fera une partie de la base complètement sous forme de mine, pour avoir plus de fer. Aussi une partie de la base complètement sous forme d'amidon. Mais ouais, nos ressources. Ah oui, l'amidon ça commence à baisser, j'avais pas vu. Enfin, c'est pas l'amidon qui commence à le baisser, c'est le bioplastique en fait. À cause de construire un masse de trucs sans arrêt. Donc du coup, voilà. Ah oui, donc du coup, ça serait peut-être mieux. Si j'accélère le temps d'ailleurs, je suis en train de penser. Ouais, donc là, ça commence à construire, ok. Donc du coup je pense que je vais faire une petite ellipse et je vous dis à tout de suite. Et re tout le monde, donc du coup voilà, il y a quasiment tout qui s'est construit. Donc vous pouvez voir d'ailleurs que je produis masse électricité. Là vous voyez à quelle vitesse ça se remplit. Oui car je produis du 980 kW, donc ça devrait aller là, niveau énergie. Ouais, voilà quoi. On a de l'avance, c'est ça que je veux dire. Du coup on en a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Et bientôt 12, donc du coup vous faites 12 x 40 et puis vous avez votre résultat. C'est à dire 12 x 4, 48, 480, ok on peut consommer du 480, c'est cool.
Enfin, ça c'est théorique, hein, après. Donc du coup, je crois qu'on va pouvoir rallumer ça. Qui consommait quand même pas mal, voilà. Hop. Et donc du coup... Ah oui, donc du coup, comme j'allais le dire, on va se construire notre big centre de robotisation. Donc du coup, quand je dis big centre de robotisation, attention. Ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas construire un truc comme ça. Faire joli. Non, 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 non. Je vais en construire deux grands. Un peu comme ce que j'ai fait à côté. Si vous avez repéré. C'est-à-dire ici. Voilà. Ici, j'ai fait deux trucs. Alors, du coup, comment ça se passait? Ici, on va les construire. Ici, ils vont se préparer. Tout simplement. Voilà. C'est simple et efficace. Boum. Ok. Bon, petite taille. Ok, il va falloir aussi construire un nouveau télescope, ça sera cool. Ouais, d'ailleurs, ça serait cool aussi qu'il y ait plus de gens qui viennent ici dans le terminal. Ça serait... Voilà. Donc, j'ai construit très très peu de choses hein, pendant que j'étais pas là. Par exemple, j'en ai rajouté deux de terminal. Du coup, ça fait dur. Attends, voilà, il y a enfin quelqu'un qui est arrivé. Vous pouvez voir le télescope bouge maintenant. Ah, il y en a même un deuxième. Bon, voilà. Donc, du coup. Voilà, c'est cool. Les gens mangent ici maintenant. Ils dorment ici même. Voilà, donc ça c'est les plus les ingénieurs et les. Et les. T'es quoi t'as déjà? Oh oui, les ouvriers aussi. Qui viennent là. Alors que les biologistes sont plus au centre pour le coup maintenant, ils sont. En plus par là, contrairement avant, ils étaient plus par là, mais bon. Avec tous les biologistes, enfin avec tous les ingénieurs et les ouvriers que j'avais, ils avaient que ça pour travailler. Plus la mini-mine qui était là, donc c'est pour ça qu'on produisait beaucoup mieux. Donc maintenant c'est beaucoup mieux on va dire niveau ressources. Donc du coup voilà ce que j'ai à dire. Ah tiens, en plus on est en train de construire deux robots, donc un mineur et. Oh là j'ai des. Ah j'ai des lags. Ok c'est bon. Hop, donc du coup il nous manque que deux de fer pour faire des trucs cool. Que un de fer pour commencer à faire des trucs cool. Donc oui, vous avez vu, j'ai fait une taille grande et donc du coup on attend que ça se construise un peu plus vite. Je sais pas si vous les voyez les mini lights, mais ils sont pas très très cool. Ah tiens, on a un inverse de médicaments. Attendez, je vais régler ça. Voilà, il y a tout de suite beaucoup moins de lights. Hashtag c'est faux. Bon. Ok, à tout de suite. Ok, donc là normalement il n'y a plus du tout de lag. Voilà, c'est un petit problème de corbeille et en même temps de sauvegarde. Donc du coup, voilà. Là ça se construit. Du coup on va pouvoir commencer à faire des trucs cool ici. Donc comme j'ai dit, atelier de robots, on le fera là. Parce que les ressources sont plus proches pour les construire ici. Donc, du coup ici on va miser sur la construction de robots, donc la robotisation, l'objectif. Voilà, et ici il va falloir bientôt que ça se construise pour réparer les robots, sinon ça va être la galère si on a trop de robots. Donc du coup voilà. Tiens d'ailleurs on a 6 robots. Je n'avais pas vu. Ah oui ils dorment bien tous. Hein. Il va falloir peut-être refaire encore un nouveau truc pour qu'ils dorment. Niveau oxygène. 20%, 19, 21, bon ça peut aller niveau oxygène. Du coup, centre de robotisation, si tu pouvais me le construire plus vite. Là on va regarder ici ce qu'on a, ah ouh, on a 13 médecins. Voilà, il nous en faut moins. Les gardes, ok. Les armes, apparemment ça veut dire que pas tous les gardes ont des armes, si on en a pas. Structure terminée, centre de robotisation. Ok. On pourrait construire plus vite, ce serait cool. Bon. Mais maintenant que j'y pense, je viens de penser à l'instant, mais en fait, les éruptions solaires, ça.
techniquement, ça fait pas des radiations. Enfin, si ça fait des radiations, mais pas sur les planètes lointaines. Enfin, ce que ça fait principalement, c'est des éruptions magnétiques. Et donc du coup, ce qui serait dangereux, c'est plutôt par exemple eux là qui sont dans des ordinateurs ou la télé. Enfin, tout ce qui est électronique dans toute la base. Donc du coup, ça serait la base entière qui serait dangereux. Donc, il faudrait plutôt qu'ils soient à l'extérieur et non à l'intérieur. Enfin bon, voilà. Enfin, je viens à peine d'y penser en fait. Enfin, c'est voilà. Donc du coup, structure terminée, atelier de robots. Et puis techniquement, ça arrive les éruptions solaires sur Terre, mais pas aussi souvent, quoi. Enfin, pas tout, pas une fois par semaine, quoi. Ça arrive. Enfin, sinon, ce serait la galère, quoi. Enfin, voilà, quoi. Enfin, ça arrive. Allez, une fois tous les. Allez, on va dire si on compte les petites éruptions, une fois tous les 5 ans, ça arrive. Mais voilà. Ou alors les éruptions vraiment. Ouais, mais vu que là, sur cette planète, la passion magnétique, du coup, on compte aussi les petites. Mais sinon, sur une planète comme la Terre, avec un champ magnétique, les vraies éruptions dangereuses, elles se produisent une fois tous les 100 ans. Hein, et encore. Donc du coup, ouais, là, il y a des robots qui se construisent. Enfin, je viens à peine de réaliser ça. Réparateur de robots, vite. Bah, vite, plus. Ah, toi t'es bête apparemment. Donc. Du coup, on va pouvoir réinviter les gens. Donc voilà les colons, si vous pouvez venir, ça serait cool. Hop, on a besoin d'ouvriers. Du coup, on remet à 50% pour les gardes. Il va falloir produire peut-être plus de pièces détachées parce que sinon on va vraiment commencer à en manquer là. Du style vraiment beaucoup. Donc du coup. On va en laisser un seul. Si vous pouvez me produire plus de pièces détachées, ça serait cool. Se détacher vite, sinon on va être un peu en galère là. Sinon on va encore devoir faire un nouveau centre pour en construire. Mais bon sang, mais vous faites quoi avec les pièces détachées? D'accord, c'est parce qu'en fait j'ai construit trop de trucs. C'est peut-être dangereux ça. Hein. Construire ça tout seul. Pareil pour ça. Une météorite a été détruite. Ok, mais moi ce que je veux là c'est de l'énergie. Bon, niveau énergie encore on est un peu large, c'est vrai. Mais il nous en faudrait plus en fait. Ah, c'est le laser. Taille du télescope grande. Ok. Ça veut dire qu'il repérerait de 30-30, non? Ok. Pour énergie, pour l'instant, ils ont l'air d'être tous à peu près bons. J'espère. Ouais, vite, créez-en. Pour rentrer masse là, des pièces détachées, sinon on va vraiment commencer à être en galère. C'est stylé, hein, t'as des pochers à construire. Enfin, je trouve que c'est plus stylé que les armes, par exemple. Ça ressemble, j'ai envie de dire, à des imprimantes 3D en fait. Par pièces détachées. Ouais, bon, c'est les trucs du futur. Ça, c'est pas qu'on voit pas en fait. Ça se crée les circuits imprimés. Non, le fonderie de silicium, on va voir
Les circuits imprimés, quoi. Enfin, les transistors, quoi. J'avais compris, quoi. Oh, mais du coup, le silicium, il le trouve où, en fait, ici? Parce que, yeah, c'est pas que c'est ni du fer, ni du bioplastique, en fait, le silicium. Puis il faudrait... Bon, à la rigueur, le bore, je veux bien croire que ça en est, quoi. Dans le tableau périodique, ça en est. Pas du fer, mais du des métaux, quoi. Il faudrait aussi du phosphore, mais... Bon. Ok. Du coup, il faudra peut-être que vous en créez plus. Plus. Bon. Du coup, là, ça se crée tranquillement, là, les pièces détachées. Je crois pourquoi ici, ils en comptent plus jamais, par contre. Pourtant, on a des 18, hein, de faire, ça sert à rien, mais... Bon. Ouais, les armes, j'en profite toujours parce qu'on en a besoin, mais... De toute façon, voilà. On peut encore accueillir une onzaine de personnes. Oui, non, oui, une onzaine, ça se dit. Hashtag dizaine et douzaine, ça se dit. Donc moi, je dis onzaine. Okay. Voilà. Une météorite a été détruite. Cool. Alors, réfléchissons maintenant sur le laser. On est dans le futur, on va pas trop critiquer le laser. Mais en tout cas, pour les éruptions solaires, je tiens à dire que ça se passe pas comme ça. Voilà, ça m'a choqué quand même. Voilà. Un peu comme les transistors. Enfin, les fonderies de silicium, quoi. Ou alors, t'appelles pas ça le fonderie de silicium, et puis dans ce cas-là, ok. Mais voilà. C'est... Non, c'est... Le fer et le bioplastique, c'est pas du silicium. Le bioplastique, à la rigueur, pour la carte du circuit imprimé, ok. Le fer pour les mini-circuits, ok. Mais le sable, c'est pas dans du fer, quoi. Enfin, c'est... En plus, il y a bien écrit minerai de fer. Attends. Hop. Ici, minerai. Ok, bon, il y avait même écrit que minerai en fait. Donc, okay. Ou à la rigueur, peut-être des minerais de silicium. Ça, c'est bien du métal. Bon, on va arrêter de discuter du. Ok. Juste, on va s'occuper de regarder ça. Ok, c'est bon, on est remonté niveau pièces détachées. On peut réactiver tout ce que l'on avait, on était juste beaucoup descendu. Du coup, oh. Ah oui, on a 21 de fer, ça devrait aller. Je n'avais pas vu. Non, encore des gens. T'es gentil? Ouais, t'es gentil. On a combien de personnes? 146 personnes, ok. Normal. Non, par contre, l'éruption solaire, il n'y a rien à redire. C'est vrai que... Techniquement, le simple fait de se balader dehors... Oui, c'est radioactif. Mais dans le fond, tu serais autant en danger à l'intérieur de la base que à l'extérieur de la base, dans le fond. Bon, parce que bon, c'est quand même que du verre, si on regarde bien. La rigueur, bon, admettons, ils ont construit un truc qui résiste aux radiations. Hop, ça fait déjà tout. Vous allez mourir, merci. Cette fois. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils sont tous tués, les gardes. Bon. On a perdu des gens.
Ah oui. Ouais, non, non. 60%, ok. Donc, du coup, revenons-en en fait. Ce qui serait surtout dangereux, c'est. Enfin, c'est tous les trucs électriques dans la base, quoi, déjà de base. Puis le sas, il serait inutilisable, quoi. Enfin. Enfin. Ouais. À part si. Si, admettons qu'ils arrivent à créer le même champ magnétique de la Terre que dans des bulles, c'est une idée qui a déjà été proposée, il faut savoir. Dans ce cas-là, ça pourrait protéger, mais pas non plus des grosses. Des grosses tempêtes. Enfin, éruptions solaires. Mais dans ce cas-là, ça protégerait un peu plus que le. Ça se protégerait quand même plus que le. Enfin, ça protégerait un petit peu l'extérieur de la base, quoi, s'ils en mettent des assez grands. Donc, what? C'est par contre pas des énergies, c'est pas cool. Enfin, pas l'énergie. C'est quoi, toi? Ah oui, 17%. Il y a peut-être un peu trop de gens ici. Ah, du coup, tiens, on va réaccélérer le temps. Ok. Ah, là-bas, il y a des gens. Deux personnes, ok. Pas encore accepté 4 personnes. Après, on dira non. Il a même une voix. Et, ah oui, on en a 15 de. Ouais, c'est pas mal. Ça part bien. Bon, je pense qu'on en a construit 2. On a perdu un robot d'ailleurs, quand je me rends compte. À cause de ça. Là. De la barre qui est en bas. Alors, après, on arrive à un moment où les robots ne sont plus réparables. Oh. Là, on a un joli reflet. 148, ok, on va arrêter les vols. Deux problèmes. On va ajouter de l'eau 2. Parce qu'on peut le faire. C'est le moyen, ok. Bon, ça va pas vraiment beaucoup arranger ce qu'il y a là-bas, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, pire, ils n'ont qu'à changer d'endroit, quoi. Je crois que c'est peut-être un peu dangereux. Lui, il est bien intéressant pour le coup. En fait, je me rends compte qu'on a quasiment autant de panneaux solaires. Enfin, et de. J'ai autant de place pour l'énergie que pour le reste, en fait. Bon. Quasiment. Hein. Par rapport. Il n'y a plus. Regardez l'énergie. On est bon, ça va. On est bon jusqu'à 480, donc. Voilà. Donc du coup, voilà. Une météorite a été détruite. D'accord. Du coup, ça se passe bien tout ça. Bon, on a de l'eau 2. Du coup, on va construire. Ah oui, non, mais on va pas encore construire tout ça. Du coup, ici, ça se passe. Ah oui, 28 pièces de taché. Ouais. Pas que. Ouais. Bon, on va continuer en fait parce que sinon, ça va pas être cool, mais ouais, quoi. Ouais, du style. Ouais. Donc du coup, ouais, je sais exactement où le construire, lui. Ici. Eh ouais, ça l'a pas lissé comme je voulais. Bon, je me suis fait arnaquer. Je
Du coup, ça fait un truc un peu dégueulasse. Niveau beauté. Niveau beauté folle. Non. Bah, ça se passe bien en tout cas, hein. Pour une planète impossible, elle est facile cette planète. Enfin, je disais pas ça au début de la partie, remarque, c'est vrai. Bon. Ouais, quoi. 271, 176, ah, ça n'est pas cool, même si les trucs du haut c'est des médicaments. Hein. Si on regarde bien, 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 ils sont bien les yeux et tout. Ouais. Je clique de partout, c'est pour eux. Du coup, vous manquerez des ça? Ah oui, ils ont créé plein en fait. J'avais pas vu, ils ont créé 4 d'un coup. Et les armes parce que je suis mon arme en fait. 148 personnes. Du coup, je suis en train de penser qu'on va pouvoir de nouveau faire venir du people. Allez. Ouais, par contre, je suis en train de penser au niveau de nos bouffes. Vos bouffes, il va falloir en créer. Donc, du coup, on va se faire un big dome. Enfin, un laboratoire parce que bon. On va se créer un gros dôme de nourriture. Là, biodôme. Un big, big biodôme. Ah, c'est beaucoup plus beau à côté. Je peux construire des trucs. Je t'ai dit ça. Oui, on peut se construire des trucs maintenant vu qu'il n'y a plus les pierres. Cool. Ça veut donc dire que à côté je vais pouvoir me faire probablement un big entrepôt. Ah non, c'est peut-être un peu trop grand. On va se faire autre chose parce que j'ai quand même envie de créer quelque chose. Et on va se créer un truc de deux. Parce qu'on en a besoin. Style ici. Et là. Et si on peut. Non, on peut. Et peut-être aussi qu'on va en créer un autre. Ici, voilà. Là on aura de l'eau 2 mais non. Là si tu me dis qu'on manque de carburant et tout. Non, non, je comprends. What? Ah oui, non, ça. J'ai oublié quand on va inviter les gens. Donc du coup les pilotes commencent à durer hein, et donc du coup je vais vous donner rendez-vous à la prochaine. Et donc du coup je vous dis salut. Allez. Salut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce vert et à commenter la vidéo.